c'est pas un monde qui mourit. Et capable qu'il y ait plusieurs monde qui mourit. Si nous pas stopper hémorragie. D'après l'information que nous gagnons, le président de la République, il loue car il en met en particulier. Et particulier, ça a un travail que l'a fait. Et pour la sécurité, voyez bien, de l'environnement, côté que le président y ayant, il a décidé de déguerpir des riverains qu'il a depuis des temps. Et d'après information, yo, et sans décision de justice, jusqu'à preuve contraire, le commissaire du gouvernement, près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, intimé l'ordre au directeur départemental de la police nationale, le commissaire Soljour, pour que yo assure sécurité monde qui bral démoli Kaimoun yo. Monsieur le Président, en sciences politiques, il y a ce que nous appelons le terrorisme. Lorsque c'est l'État qui là pour protéger une population et c'est lui qui a terrorisé, le Sahara, la population va gagner rien pour le faire, c'est défendre tête li. Quand dirigeants nous ont refusé de faire ça, ils doivent faire pour le peuple. Eh bien, le peuple lui-même, il doit faire ça, il doit connaître pour le défendre tête. Li. Mais est-ce que nous devons arriver dans le niveau ça? Alors que nous connaissons que pays aujourd'hui, au bord de la guerre civile, là nous connaissons tout ça qui a passé martissant, Grand Ravine, Cité l'Éternel et autres. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas jeter l'huile sous du feu. C'est vrai que dans le Sénat République, ça a une majorité gouvernementale, pro-gouvernementale, une majorité présidentielle, si nous avons dit comme ça. Mais nous ne sommes pas capables de tolérer ça. C'est comme quoi la population est livrée à lui-même. Bonjour, Président. Bonjour, accordé. La majorité présidentielle n'a rien à voir avec ce que dit le collègue Salomon. Au niveau de la majorité présidentielle, il y a des sénateurs comme le sénateur Salomon. Et ils comptent deux voix, même gens avec deux voix Salomon. De sorte que, depuis la population qui a un problème, majorité ou présidentielle ou pas, eh bien, sénateurs qui sont dans la majorité ont toujours campé du côté de la population depuis que fait ou montrer que c'est la population qui a raison. Donc, moi, je pense que le sénateur Salomon dit que la majorité présidentielle ils ont indexé la majorité présidentielle. C'est pour ça que je me disais que le sénateur Salomon a retiré ça le dit, sous affaire. Majorité présidentielle. Là. Merci, Président. Merci, collègue Fantave. Malheureusement, pas de quitter me fini phrase. Je parlé de majorité pro-gouvernementale, dans le sens que même lorsque nous avons supporté le gouvernement, mais nous pas doué supporter dans tout mauvais acte. Bonjour, Président. Deuxième. Bonjour, majorité la présidentielle. La je demande la parole. Ok. Très bien. Jusqu'à présent. Oui. Oui. Majorité présidentielle, ça, là, depuis environ une année, plus qu'une année, à aucun moment, il n'a jamais supporté pièce mauvaise acte. Et encore une fois, nous avons aimé que sénateur Salomon fait retrait de Saldia. Parce qu'en tant que majorité présidentielle, nous sommes avant tout des sénateurs et nous avons été élus par le peuple haïtien, par la population haïtienne. Et en tant que tel, nous avons deux voix vis-à-vis de la population. Par les sénateurs de la majorité qui jamais suivent Zach Kibabo et je ne crois que les gens de la majorité qui suivent, que ce soit aujourd'hui ou demain, Zach Kibabo. Je pense que si le sénateur Salomon a pour le faire, on dit un mot, que l'été dans la limite, ça pour le dire, puis qu'on indexe la majorité présidentielle là, à tort. Merci, Président. Merci encore une fois, collègue Cantable. C'est ça qui fait beauté. Eh bien, système démocratique là. Sénateur Salomon n'a jamais dit que dans le cas ça,
majorité pro-gouvernementale là supporté gouvernement dans mauvais acte. Moi dit même lorsque n'a supporté gouvernement en tant que majorité dans Sénat, nous pas doué. Et me pensais que bien tendez samedi là. Peut-être ça monsieur le président. Au nom de la démocratie, au nom de la justice, m'a demandé pour que rapidement la République a diligenté une enquête qui pral premièrement prouver que une décision de justice qui te rend et deuxièmement est-ce que le commissaire du gouvernement lui recevra l'ordre de palais national pour le faire ça la fait là. Dans le cas contraire, monsieur le président, le SAA, Sénat République, là, encore une fois, pour le prouver, Jean Larue en fait qu'on est là, que l'île en cocotte vivote avec la présidence. M'a terminé, monsieur le président, pour me dire, il y a un danger qui menace le pays, hein? Ça n'est pas brûlé, un tsunami politique. C'est sous affaire augmentation prix carburant. Monsieur le Président, côté qu'un grand monde, Timoun Baboulekaï. Et on dit que le Sénat, c'est le dernier rempart. Nous constituer ça en sorte de vigie pour la population. C'est nous pour défendre l'intérêt. Monsieur le Président, yo annoncé, et ce n'est pas des rumeurs, puisque il y a de hauts responsables dans l'État qui dit oui. Prix carburant, prix gazement pour l'augmenter. Monsieur le Président, qui attitude Sénat République là par rapport à la question ça? Lorsque nous tendez ministre information ou bien ministre communication gouvernement, t'as fait qu'on est dans l'intérêt population. Parce que ils ont augmenté prix carburant une première fois. Ils ont dit que c'est plus capable des peuples. Ils ont voté. Loi de finances 2017-2018, ils ont augmenté prix taxes, ils ont dit que c'est pour capable aider le peuple, c'est dans l'intérêt du peuple. Chaudier a monté sous nos peuples, mais ils descendent sous nos en pile gros autobré dans le pays, et parmi lesquels des parlementaires qui, je dis, ont fait la loi de la PN, a fait la loi de la loi. Nous tous le Sénat, nous comme ça. Et les fois, il y a un appel au Mila Café. Le cité noir nous dit allez de côté. Donc c'est là très plaisant par rapport à sa cafette là. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je termine. Nous sommes au Sénat de la République. Et nous sentons que Jean Barayo a fait là. C'est comme qui dirait, depuis on a un intérêt personnel, li, la défendre, li pas le pays. Hein. Si le Sénat continue comme ça, monsieur le Président, je vous garantis que la population a agi de l'autre façon. Merci beaucoup. Merci. Il y a le sénateur François Denis. Merci, Président. Président, depuis un bon temps dans le pays, il y a une sorte de populisme malsain ouais, qui a développé. Et la radio, parfois l'an auguste assemblée nous là nous tendez de propos mais c'est de propos qui visaient seulement à flatter les bas instincts du peuple. C'est de paroles qu'a dit que si me dit mon a marché derrière. Est-ce que au vérité, est-ce que pas vérité, est-ce que logique ou pas logique, c'est pas ça qui est important. Collègue Dumont soulevé là deux problèmes. Je pense que c'est un problème que tout homme d'État a dû intéresser qu'on ait ça qui passait vraiment. Premier cas, c'est le cas que m'a dit là, cas question, bagaille qui arrivait beaucoup de président. Déguerpissement. Dumont présenté, ils font ensemble des questionnements. Ça qui t'est passé, ça qui passé. Mais lorsque
collègue moi Salomon intervenu sur question pour la parler de terrorisme d'État, pour la parler de majorité qui soutenait le gouvernement, tout gens majorité président. Moi même pensais que c'est de motion accordée. Jean-Marie Salomon de populiste. Quand on sait que le sénateur Salomon est un illustre descendant de Lysius Salomon, qui a toujours dit le pouvoir au plus grand nombre. Ça veut dire que le moyen de défendre l'intérêt de la population, moi pas un populiste qui a fait démagogie. Motion sur motion ne vaut. Ne peut y avoir motion là, dans cette circonstance. Merci beaucoup, monsieur le président. Le map défend l'intérêt de la population. Hein. Ce n'est pas pour me flatter. Bah, instinct, j'ai un collègue l'andien. Fort collègue là qu'on est. Le sénateur qui vient de parler, en parlant du sénateur Salomon, il n'est pas des moindres. Là, il prononce son mot, comme ça, je l'ai dit. Et en sciences politiques, l'expression terrorisme d'État veut dire ce que ça veut dire. Le l'État a tout pisé peuple. En sciences politiques, pas gain l'autre nom que Bali, terrorisme d'État. Je termine, monsieur le président. Je rappelle que tu es sous motion. Je termine tout de suite. Merci. Collègue Denius, nous avons droit Chita. Dans même l'église. Mais nous pas dans même rangée. Wap défend intérêt pau. Map défend intérêt pam qui c'est intérêt population. Merci beaucoup. Merci président. Et n'a dit intérêt population li divers. Et maintenant tout le monde kachita en opposition et puis il dit y a défend intérêt population. Et moi, j'ai un peu l'estime pour collègue. Une minute, s'il vous plaît. Laissez-le Salomon. Un petit peu. Et puis, ma bonne motion. Quand même et moi, j'ai un peu le bagage. Il dit là, c'est vrai. Présence, li, qualité intervention, tout ça. Même, je ne vais pas reconnaître la déclaration, ça, terrorisme d'État. Parce que, président, moi-même, je prends le soin pour me faire radio. Je dis, je m'entendais. Directeur départemental la police a parlé, il dit que li gagnent lui-même li agit parce que li gagnent une réquisition nan meni de faire point parce que m'était estimé que point nan yo il a importance particulière mais point ça me connaît quand même il a pas soulevé en pile réaction et c'est ça fois ouais un débat déjà qui enclenché sous question qui pata pour moi-même dans moment idéal là. Nous avons fait, vu que par principe, nous pouvons adopter autre du jour. Là.